Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Comme tu peux le constater, je me trouve en pleine campagne, dans le canton de Fribourg, et plus exactement dans le petit village de Sansal. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Florian Sever, afin de vivre toutes les étapes d'une poya. Alors si tout comme moi, tu as envie de découvrir cette magnifique tradition annuelle, eh bien écoute, le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Salut Florian! Hey, salut Flick! Ça va? Mais bien toi? Merci de nous recevoir. Mais c'est avec grand plaisir que je t'accueille chez nous. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Eh oui, Florian Sever, marié, 4 enfants. J'ai repris l'exploitation familiale de mon grand-papa et mon papa. Et puis aujourd'hui, c'est un grand jour de poyard. On va monter au chalet. Et nous allons te présenter un peu ça. Bah écoute, très volontiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est en fait une poya? Alors, la poya, c'est la montée à l'alpage pour la saison de l'été. Ça veut dire qu'on va, après l'hiver qu'on a passé à la ferme en bas, on va monter pour les 4-5 mois en haut à la montagne, où on a notre chalet. Et puis pour cela, on va sortir toutes nos belles cloches. On va équiper nos vaches pour les faire belles, pour monter au chalet. Et puis avec ça, on a notre famille, on a les amis que depuis déjà quelques années viennent nous aider. On est toute une petite famille de Des Alpes, Poya Des Alpes. Parce que la Des Alpes aussi, c'est important. Là, c'est la fin de la saison, premier week-end d'octobre en général. Alors c'est tout des événements assez sympas. La poya, c'est, on est content qu'elle parte dehors et puis qu'elle sent l'été. Puis la Des Alpes, ben, on est content qu'elle redescende à la maison. Et puis c'est un autre rythme de vie aussi après. Pour ce genre de manifestation, quelles sont les étapes en fin de compte de préparation? Enfin, je présume que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Alors en effet, il y a beaucoup de boulot, que ce soit déjà à l'alpage, déjà préparer le chalet pour accueillir les bêtes. Après, on va clouer un peu les bords de route pour guider les bêtes lors de la montée. Après, à la maison, il faut qu'on prépare aussi un parc où les vaches, dès qu'on les a préparées, eh ben, on sache où les mettre. Et ce sera le même parc qui sera quand on va partir. Après, on a l'écurie. Chaque paysan qui va m'amener leur génisse en pension, on va les attacher à l'écurie, les laver.
On va leur enlever les cloches de pâture, celles qu'elles auront tout l'été. C'est des plus petites clochettes. On va leur mettre les grosses clochettes, de fait. Les chenailles et les cloches. Et ça, on essaye de choisir d'après la grandeur de la bête, le caractère un peu. On voit tout de suite si elles ont du jus. On leur mettra une un peu plus grosse pour les calmer un peu. Et les petites, des fois, on leur laisse même celles de pâture parce qu'on en a pas assez. Même si j'ai les copains ou ceux de la famille qui m'en prêtent. Là, on monte à peu près avec 80. Et puis, on a à peu près 70, septantaine de cloches à chenailles. Et puis, comme ça, une fois que chacun a amené les bêtes, on les met au parc. Et puis, à 4h30, quand on a décidé de partir, eh ben, on prépare les collègues. On boit un bon verre de vieille prune et c'est parti pour la montée. Environ 2 heures de marche pour monter. Bah, c'est une belle expédition. C'est génial, ouais. J'ai pu remarquer qu'il y avait différents motifs et inscriptions sur les cloches. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça concerne? Alors, bien sûr, sur les cloches, on peut avoir plusieurs dessins ou inscriptions. Ça peut être pour un syndicat, quand il y a une fête, un jubilé ou comme ça, quand on voit la fonderie chez Roulin ou ailleurs, et on peut graver dessus pour un souvenir. Et puis on peut marquer un peu tout ce qu'on veut dessus. Après, sur les bordures, les courroies, on peut aussi faire des inscriptions pour les 20 ans, pour des choses personnelles qu'on a envie de mettre sur notre cloche ou notre chenaille. Parce que c'est des choses qui vont rester beaucoup plus longtemps que nous. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir des chenailles et des cloches qui ont plusieurs générations, des grands-parents, et qui restent toujours à l'heure actuelle. Ça peut être des choses qu'ils ont reçues pour leurs 60 ans, pour un baptême, pour une confirmation. Et puis, si c'est gravé dessus ou noté, eh ben, ça reste longtemps. Puis c'est un moyen de les mettre en avant lors justement de cette manifestation comme la Poya. Alors voilà, puis en plus celles qui sont brodées et puis tout ça, elles sont encore plus belles que les cloches toutes simples qu'on met pour pâturer. Alors ça fait un petit plus pour les bêtes. Puis elles sont un peu plus grosses aussi. Souvent celles qu'on met avec les bordures et puis tout ça, elles sont un peu plus grosses. Je me permets de revenir sur la différence entre la Poya et la Des Alpes. Pourquoi la Poya, il y a un peu moins de monde, alors que c'est vrai que la Des Alpes, ça attire énormément de spectateurs, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, à la Des Alpes, il y a déjà une fête qui s'organise avec la société de développement. Et puis sur la fin de la saison, c'est plus facile à organiser une fête sur un jour, parce qu'on a plus d'herbe dans les montagnes et puis tout le monde arrive un petit peu plus à s'organiser. Certains doivent descendre des fois plus vite, mais dit que la Poya, en ayant des alpages à plusieurs altitudes qui partent de 900 mètres le premier alpage à presque 2000, l'herbe va pousser moins vite. Donc les premiers alpages vont monter beaucoup plus vite que nous et ils sont déjà en haut depuis un mois. Dit que nous, on monte que sur la fin mai, début juin. Et puis c'est pour ça que de faire une fête pour la montée, c'est plus compliqué à faire déjà. Et puis c'est vrai qu'on ne décore pas les bêtes pour la montée, donc il y a moins de... On monte un peu quand on a le temps et puis on fait un petit peu moins de chichi pour la montée que la descente. On les décore, c'est vraiment la fin de saison et on profite justement de la fête là, des Alpes sans sol pour marquer le coup. Mais pour vous, la Poya, c'est une fête, on va dire, familiale, importante aussi. Alors, dès qu'on a une chenaille qui sonne, on a déjà les frissons, de toute façon. Donc, qu'il y ait du monde ou pas de monde, pour nous, c'est la fête. Et puis, une fois qu'on a tout fini la soirée, en général, avec les copains et la famille, on se permet pour un petit jeu. Alors voilà, maintenant on est prêt à accueillir toutes les génisses des différents propriétaires. On a préparé les parcs où on va les mettre en attendant le départ. On a essayé de donner des heures à chaque producteur pour qu'ils arrivent, qu'on n'ait pas toutes les bêtes en même temps à préparer. En espérant qu'ils tiennent un peu le timing, parce qu'autrement après c'est nous qu'on est embêtés.
Alors, quand ils vont arriver, ils vont reculer derrière la maison. On va les décharger, les rentrer à l'écurie, les attacher. On va leur enlever les clochettes de pâture qu'elles auront tout l'été. On leur met les belles cloches de décorées, qui sont un peu plus grandes, un peu plus jolies. On leur donne un coup de jet pour les laver. Ensuite, une fois que le lot du propriétaire est prêt, on les met dans le parc d'attente. Et c'est un autre propriétaire qui va arriver. Alors ça, pour la matinée, ça va être comme ça. Je vais faire ça un peu tout seul pour le matin. Et sur l'après-midi, là, j'ai différents collègues qui ont pris des copains de la famille qui ont pris congé, qui vont venir m'aider. Et puis là, alors il y aura plus, le rythme sera Soutenu. un peu plus soutenu, exactement. Il y a plus de bêtes qui vont arriver, hein. Il y a plus à trier, à décorer. On a des caisses où on met les clochettes de pâture. Il faut numéroter les génisses pour qu'on leur remette les bonnes cloches une fois qu'on arrive en haut. Je m'excuse, mais parce que chaque propriétaire a ses propres cloches. Voilà, exactement. Chaque propriétaire arrive avec 15 génisses, par exemple, et 15 cloches. Alors, on va remettre les 15 mêmes cloches pour les mêmes. Bien sûr, pas les mêmes génisses auront la même cloche quand elles sont arrivées, mais le même groupe, le même lot. Et puis comme ça évite qu'un aille les cloches de l'autre, parce que certains, ils ont des toutes belles cloches, et puis ils aiment bien les garder aussi quand même. Et puis comme ça, après, une fois que toutes les bêtes sont arrivées, j'ai mes vaches aussi qui vont arriver, on va les traire un petit peu plus vite. Là, c'est mon collègue Cochise qui va les traire. C'est Lulu qui va les amener ici. Comme ça, dès qu'on a fini les genisses, après on lave les vaches. Et les vaches, on les garde en dernier à l'écurie. Comme ça, c'est les premières qui vont partir pour le début de la poya. Et puis une fois qu'on est tous prêts, on va tous s'habiller, mettre le costume traditionnel, Brodzon et Zakillon. Pour certains collègues qui n'ont pas la chance d'avoir un Brodzon, on leur a prêté des chemises d'armailler, toutes simples. Et puis comme ça fait joli dans le troupeau. Puis comme ça, ils sont la même chose que nous. Et puis après, on se regroupe tous devant la maison. Je donne un peu les explications, qu'est-ce que j'aimerais un peu pour la montée, qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu attention, comment on va faire le départ. Je fais un peu les groupes. Je mets toujours en général un paysan, un qui connaît bien les bêtes, les réactions des bêtes, avec un qui connaît peut-être un petit peu moins bien. Mais maintenant, on commence à être une super équipe qui avec les années, là, il y en a certains, ça fait 10-15 ans qu'ils font avec nous, même qui ne connaissaient pas les vaches. Maintenant, ils ont leur petit truc à faire, ils connaissent bien. Et puis, ils commencent à avoir l'habitude aussi avec les années, donc ça devient de plus en plus facile à faire les groupes. Après, c'est un petit peu les affinités. On sait toujours qu'il y en a un ou deux qui s'entendent bien, alors on essaie de les mettre ensemble. Alors, c'est toujours assez sympa. Puis, une fois qu'on a donné les ordres et puis qu'on est prêt, ben, on a notre traditionnel petit verre de vie prune pour la petite vitamine avant de partir. Puis, après, une fois qu'on a bu le verre de vie prune, c'est le départ. Thank you.
Et puis, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens lors de la montée? Oh, alors, plein de choses. C'est sûr que quand on a toutes les génisses et les vaches au parc avec les cloches à chenaille, déjà rien que la première qu'on met, on a déjà les frissons. C'est toujours quelque chose d'assez spécial. C'est dur à expliquer pourquoi, mais bah, déjà que le son d'une cloche, c'est déjà superbe. Alors, autour d'une de nos vaches, ou même que c'est une génisse, une belle génisse qu'on a en pension, bien quand c'est une qui a un peu du caractère, qui tape bien, c'est toujours superbe à écouter. Et puis la masse, quand là on part avec 8 ans à peu près, la masse est assez impressionnante. Et puis c'est vraiment beau. Et puis en plus de le faire avec tous les copains, la famille, c'est toujours assez superbe. Après, quand on démarre, on a toujours aussi nos vieilles devant, les vaches, qui mènent toute l'équipe. C'est bien d'avoir toujours des meneuses, comment dire, parce que les autres vont suivre. Et puis, comme on en a 8 ans, on va toujours fractionner un peu le troupeau. On va en mettre toujours une dizaine et puis deux personnes pour pouvoir soit freiner un peu celles qui sont derrière, soit pousser un peu celles qui sont devant. Puis c'est un peu ces deux personnes qui vont faire le tampon. Et puis nous, devant, c'est un peu nous le rôle de bien regarder le troupeau quand il monte, quand on a des beaux contours, des jolis zigzags. On arrive à voir où elles sont les dernières. Et puis tout d'un coup, des fois c'est peut-être pas très très traditionnel, mais d'un coup on appelle vite un coup de téléphone à celui qui est derrière. Il faut vite pousser un peu les autres. Ou on arrive à faire que le troupeau soit un peu groupé, ou bien tout d'un coup, ben, on ralentit. On fait des signes à ceux qui sont derrière, puis chaque fois on fait le signe à celui d'après. Et puis comme ça, tout le monde comprend qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ralentit. Puis on montre derrière, ou on dit il y a un problème. Et puis voilà, avec des génisses qui sont en lactation, pas en lactation, des vaches en lactation, ou des génisses portantes pour le mois de juillet, ou comme ça, qui sont assez lourdes. Bah, certaines des fois elles n'arrivent pas jusqu'au chalet, des fois on doit leur enlever la cloche en montant parce que ça leur fait un peu beaucoup. Certaines elles ont un petit peu moins l'habitude de marcher, donc des fois on a mon beau-papa là qui est derrière avec le pick-up puis la bétaillère, et puis s'il faut en charger une pour monter, et ben il est là derrière, comme ça il est prêt à la charger, puis comme ça on la charge, elle n'a pas de souci. C'est un peu la voiture balai qui rend bien service. Puis en même temps, on organise ceux qui nous disent qu'ils veulent venir nous voir. On essaye des fois un peu de les pousser pour qu'ils puissent nous verser un verre en passant. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un verre sur le trajet. Et puis comme il y a des beaux paysages, que ce soit dans la forêt, sur la plaine, eh ben, il y a toujours des jolis endroits à se poster. Alors souvent les gens, ils nous versent un verre, ils nous filment en passant, et puis ça nous fait toujours des souvenirs et puis des jolies choses à regarder après, puis à se partager entre tous ceux qui ont fait la poya. Et puis comment ça se passe quand vous arrivez en haut? Alors quand on arrive en haut, eh ben, on a toujours, on prévoit 40-50 places qu'on peut déjà les attacher dedans. Alors les premières, on les rentre directement dans le chalet. Et puis les autres, on les fait dévier, puis on les met dans un parc aussi, c'est un parc d'attente pour... En attendant qu'on enlève les cloches et les chenailles dedans, bon, déjà la première chose, c'est ouais, on les attache et après on boit quelque chose. Parce que on est arrivé en haut, tout s'est bien passé, alors il faut quand même qu'on boive un petit jus avant d'attaquer. Et puis après, bah, justement, on renlève toutes les cloches chenailles qu'on a mis au départ. On leur remet les cloches de pâture qu'elles auront tout l'été. On les trie parce que on a plusieurs parcs après pour l'été. Alors on va après les mettre dans les parcs qu'elles seront pendant l'été. Puis dès qu'on a fait la première série, eh ben on rentre le deuxième groupe. On fait la même chose. Et puis une fois que tout est prêt, trié et remis dans les parcs, eh ben on va pour la soirée où on va boire l'apéro déjà en premier. Et puis après, on va souper et puis on passe la soirée tous ensemble. Et puis ceux qui veulent, des fois il y en a qui restent sur place pour dormir. Et puis des fois la soirée se prolonge un petit peu. Puis ça fait partie aussi de
la Poya et même la Desalpes. La Desalpes, c'est le même principe. Et puis c'est vrai que peut-être la petite différence entre la Poya et la Desalpes, la Poya est vraiment pour moi presque encore mieux parce qu'on monte et les cloches sonnent beaucoup mieux en montant. Alors c'est beaucoup plus impressionnant le niveau du son. Quand on fait la Desalpes, ben on descend. Puis les bêtes sur le goudron, elles sont plus sur la retenue. Donc les cloches sonnent quand même un peu moins fort. Alors à la Desalpes, on va faire un gros détour pour avoir les vaches qui montent à travers le village. Pour les avoir dans le bon sens, pour que ça sonne un peu mieux quand on traverse le village au lieu de les descendre et puis que ça sonne moins. Voilà la petite parenthèse. Une fois à l'alpage, comment se déroulent tes journées ? Puis celle des vaches. Alors, on commence à 5h30 le matin où on va rentrer les vaches qui traillent. On les rentre, on les traite, on donne à boire aux veaux. Après, on les laisse dedans jusqu'à 9h. À 9h, je les sors, je nettoie le chalet. Après, on rentre une équipe de genisses parce que j'ai plusieurs lots. Du fait qu'on en a une centaine, alors avec ça, j'ai que 55 places dans le chalet. Alors, on fait plusieurs groupes. Alors, je rentre un groupe de genisses qui vont rester jusqu'à 3h30, 4h l'après-midi dedans. Comme ça, elles sont à l'ombre et puis elles peuvent se reposer tranquilles. Après, à 4h, on les sort. On nettoie le chalet, on rentre les vaches pour traire, on retrait. Et puis après, j'ai le temps entre qu'elles sont dedans pour faire la cuisine à la buvette. En ce qui concerne la buvette, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors que les patrons sont super sympas. Alors, et en plus, on essaye de faire des choses traditionnelles d'alpage, comme les fondues, croûte au fromage, ruche, petit jambon, petite spécialité avec les planchettes de la région, où les gens peuvent choisir leur planchette, choisir ce qu'ils veulent mettre dessus. C'est assez sympa. Et puis on a fait un petit zoo autour du chalet où on a les veaux, les moutons, cochons, lapins, des vaches un peu spéciales, des airs, des islands. Et puis comme ça les gens ils peuvent envoyer leurs enfants faire le tour du chalet tranquillement et puis eux ils peuvent boire l'apéro aussi tranquillement. Et puis c'est ouvert autant bien le midi que le soir ? Exactement, il y a juste le dimanche soir et le lundi que c'est fermé. Autrement, c'est volontiers midi à soir. Et ça, de quelle période ? C'est du 1er juin au 1er octobre. Et puis, beaucoup de passages ou bien ? Alors, ça, quand il fait beau, il y a énormément de monde. Et puis, même quand il fait mauvais, on arrive à remplir l'intérieur. Alors, c'est vraiment chouette. Puis, la vue est quand même assez superbe. Alors ça, je confirme. Est-ce qu'au tout intérieur, il y a besoin de réserver ? Alors, quand il fait beau et le week-end, c'est vivement conseillé de réserver, ouais. Si on veut être sûr d'avoir une certaine table ou... des fois, c'est l'inverse. Des fois, on aimerait être sûr d'être dedans au frais. Quand il fait chaud, des fois dehors, il fait vraiment chaud et puis on est content d'être dedans au frais. Alors, ça peut être dans les deux sens que ça peut être bien de réserver. En tout cas, Florian, je tiens à te remercier infiniment de m'avoir permis de vivre cette belle tradition. C'était une journée vraiment mémorable. Et puis je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Et puis qui sait, peut-être à tout bientôt pour une des Alpes. Mais avec grand plaisir qu'on t'accueille. C'est gentil. Merci encore beaucoup. Merci. Allez Flo, ciao ciao. Ciao, merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Florian Sever ainsi que toute sa famille pour leur bel accueil et leur hospitalité, ainsi que pour nous avoir permis de vivre cette magnifique Poya. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionetterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Par ailleurs, je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour cela, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionetterroir.com.
De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer. Et ça, ça serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.